Est-ce que I love French cinema? Bah, I surlove French cinema. Il est là pour tous les prix. Mon père ? Ouais. Non, c'est là, mais comme le ministère de la Culture, ça ne se refuse pas. Il y a mal forme, je suis très content que vous soyez là. C'est un peu vos ambassadeurs, en fait. Exactement, ah bah oui, exactement. Nos ambassadeurs, l'ambassadeur de la France, de la culture française, et on est ravis de les accueillir rue de Valois. Nous avons dévoilé ce matin les résultats du cinéma français à l'exportation, comme nous le faisons chaque début d'année, et remettre le French Cinema Award, qui récompense des artistes, des talents ayant tout particulièrement contribué au rayonnement du cinéma français à l'étranger. Mais quel honneur, surtout quel honneur de représenter la France à l'étranger. Je prends. Généralement, on en a un pour deux, ça nous va très bien. Mais de toute façon, je sais comment ça va se finir. Les deux vont être à côté dans le bureau. Donc les noms sont quand même à côté. Vous me dites Nakache ou Toledano ? Toledano. C'est quoi cette question ? Nakache ou Toledano ? Même moi, j'ai le sentiment d'être Nakache Toledano. C'est devenu un label. Donc Nakache et Toledano. Les deux, Toledano, Nakache, dans l'ordre que vous voulez. Non, je sais pas, ils sont ensemble, non ? Nadano. Hello. Hi. Thank you for being here. We are very happy to see you here. You're the first crowd of the movie because I finished the movie 2 days ago. First of all, Hugo here is my friend and I'm a fan of his work. And we've been working together actually in the past. C'est assez étonnant de voir la carrière de certains films qui sont des fois pas des succès en France, mais des succès à l'international, et vice versa. Et je pense qu'il y a des histoires qui s'exportent mieux que d'autres, forcément. Mais on est ouvert à des propositions. Le petit truc en plus du cinéma français, une forme de créativité, de liberté, d'inventivité, quelque chose qu'on a hérité. Les Frères Lumière, c'est le petit plus du cinéma français. Pas mal au final. On est d'accord ? Bon bah très bien, comme ça vous voyez, il y a une cohérence qui se crée à travers les films. Pour acheter les acheteurs, c'est possible. Hein. Les acheteurs. Les 80 films que l'on présente ici. On compte sur eux. Ils sont 480 pour 80 films. Donc on va y arriver. On se connaît, ça fait longtemps qu'on date. Alors ça se vend facilement au cinéma français? Ça se vend. Après on a les challenges, tout ne se vend pas, mais pour des bons films on n'a aucun souci. Parce que par rapport aux autres cinématographies, on est vraiment le cinéma qui s'exporte le plus, à part les films américains et les films anglais. Voilà, cinématographie qui existe dans tous les pays, à peu près. So you buy it or you buy it? I'm thinking about it. C'est qui alors? C'est tous ceux qui ont acheté le film et d'autres, non? Oui, c'est tous les acheteurs européens. Les acheteurs européens qui viennent. Des acheteurs potentiels et non, des acheteurs déjà certains acquis. Qui n'ont pas vu le film, qui l'ont acheté. Donc ils doivent être encore plus angoissés que moi. Moi je veux être avec vous. Ah bah voilà. Welcome the director of the movie, Philippe de Chauvron, the actress Emily Thorpe, and the producer, Romain Rochman. Two friends in Italy, it's fun. It's just that right, politically incorrect, but fun. Okay. So it's not too French. No. Oh, no. It works. Okay.
a very unique cinematic culture that doesn't resemble any cinema in any other part of the world. Because it's very varied. I love French cinema because it's sexy, because it's full of passion, because it's full of energy, because it's full of gorgeous woman and handsome man, and because it's about love. Is that a good answer? Very good answer. Okay, merci.